Eh bien bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fringué. Aujourd'hui on est au port avec mon petit bateau. Il y en a un qui s'est mis derrière moi, c'est pas normal. Alors aujourd'hui on va voir une petite bataille en PVP, comme d'hab, avec nos amis du FP. Ça va couler, ça va saigner, ça va être sanglant, comme on aime. Et c'est ça qui est bon. Allez, on y va tout de suite, on fonce. Pour l'instant, les couteaux maintiennent les Anglais à distance. C'est pour ça qu'il est proposé de se barrer. 4 tics pour follower. Ah, mais follower, de toute façon, il faut le. Ah, il est faible, hein, il est très très faible. Ouais, les couteaux font barrage derrière. Il n'y a que ceux qui peuvent être. On reste dans la bataille du coup. On va attendre d'être suffisamment éloigné que celui qui est le dernier à avoir tiré annonce son timer. Bon, moi de Fringui j'ai 43. Moi j'ai toujours contrôle. Qui est pareil pour le contrôle de Basile, donc on continue à s'éloigner et on continue à faire le focus sur Foller. Pour l'instant les gars on reste, y a pas de mort. On est bien, on n'a pas de problème particulier. Je vais bientôt être bon pour envoyer sur follower, mais il est un peu anglais manifestement. Je vais pouvoir focus le senti qui est sur notre gauche s'il faut. Tu vois, alors ce que tu fais, tu te remets dans un cap, mais par contre tu te mets. Tu vois, tu te remets pas juste devant moi, Jack. Ah. Quand tu fais bombarder comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je me mets dans un cap pour reprendre la vitesse et après je remets devant toi. C'est ce que j'avais prévu. Impeccable. Je vais lui faire les voiles aussi à la suite. Devant, taper avec les voiles. Ok, ça normalement il est pour toi, c'est bien en fait ça. Ouais. Ce qui reste en fait pour nous contrôler en fait, tu vas devant. Sinon pour l'instant on n'a pas le choix, on est sous contrôle. Donc, Ils te font les voiles, genre. Des fringues, on arrose notre ami à droite alors. Pas grave qu'il me fasse les voir. Ah Basile. Ok, allez. On balance sur follower toujours. Celui à gauche, ça sera le mec en face là, on essaie de faire les voiles. Je fais une petite rotation pour tirer sur l'autre tapette là-bas au fond. Regarde si je suis à portée. Moi, je suis pas parti du vélo qui me tire dans les voiles depuis tout à l'heure. Presque. J'entends que mes canons remontent et puis je peux lui envoyer de border. J'ai fait 15 voiles et un mât. Ah, ce sera tout dans la flotte. Savoir qu'ils se mettent dans la mer tout seuls parce qu'ils vont sur la côte là. Quand ça fait les mâts. Je suis à 99% de récevoir. Ralentis fortement hein, pour Basile. Baguette, je vais essayer de me. Non, c'est Fringui, je vais essayer de passer derrière toi. Vas-y. Ah putain, il y a cet enculé qui est sous contrôle, il casse des couilles. Tout le monde est sous contrôle là. Ouais, infirme. Ouais, j'ai le timer. Si on est sous contrôle comme ça, on va y passer 2 heures. Sauf qu'il faut qu'on remonte sur l'autre pupu et le défoncer. Il y a une frégate sur la droite. Je l'arrose. Tu mets les voiles à fond, Jack, et tu vas venir avec moi. On va filer sur le bus en bord en face. Ok.
je fais à fond. Je me mets enchaîné ou pas? J'ai pas entendu, hein, vas-y. Tu te mets en chaîne, enfin le chaîné ça fait un peu plus, c'est un peu loin. Ok. Ok, on a sur la frégate sur la droite qui commence à nous faire des trucs. Ouais, je crois qu'il y a Maximo qui a freiné pour justement... Il fait demi-tour. Ouais. Maximo avait ralenti pour lui faire, mais frégate fait demi-tour. Ils sont en train de me focus. Hein. Ok, dis-moi où tu es toi. T'es derrière le truc, toi. Ouais, il m'a pété les voiles et tout. Je les bombarde autant que je peux. Ah oui, avec le mortar. Oui, bon, ouais. C'est pas grave, t'inquiète. Sur la droite, je pense. Ouais, on va prendre le vent. Ouais. Et partir sur un 315 en sortie, 315 un tic à gauche. Et c'est quand tu veux, Jérôme. Ouais, mais j'ai attends. Ouais, puis le vent, il compte de Fringuy, je sais pas c'est qui est derrière, mais. Ouais, non, merci. Et pour tout le groupe, on tourne à droite. On tourne à droite? Ok. Virage à droite, compte de vent. Ok, de Franky. J'en serinerai pas voile, comme ça au moins. Des voiles à contre, hein, le qui. Nice, nickel. On dit un cap de sortie minimum 270 hein, pour reprendre un petit peu de vitesse. Ça sent pas bon pour moi. Ok, c'est la frégate qui est surtout en arrivant. Ouais, de toute façon, c'est... De toute façon, on pourra pas sortir. Hein. Donc, en tous les cas, on va le rester, hein, je pense. Pire, quoi, de merci ça, on laisse-le se rapprocher, là, je suis en train de tourner, je vais mettre une douille. Est-ce que c'est pour Paris? Moi aussi. C'était le mec d'en face. Moi, non. Alors, de Basile, on continue sur le 270, dès qu'on a plus le contrôle, on se tire. Continue sur le 200. Avance, non merci, vas-y, continue. Moi j'ai le timer. Ok, pareil. Ok, 1.44, on dit à partir de maintenant 1.44 et on essaie de sortir, ok les gars. Fringuy, arrête de tirer, Fringuy, arrête de tirer. Bien pris. Je vais essayer de prendre la fuite, moi. Vas-y. Personne t'en voudra. Ça, ils s'y attendaient pas qu'on ait tombé comme ça. De Basile, le gros de notre groupe, surtout, on ne tire plus. On va essayer de sortir dans une 19, ok? On essaye d'aller dans le PBR. Jacques, essaye de prendre un cap un peu plus de 315, s'il te plaît. Parce que tu me coupes le vent et je perds de la vitesse. Ok, Basile, encore une minute. Essaye de te mettre entre moi et Basile, s'il te plaît. Bah oui, j'essaye. Je fais ce que je peux. Tagué. Tagué. Ok, pareil. C'est qui m'a tagué? Putain, mais il est grave loin le pélo. C'est rien, on continue. Ah, tagué. De Lucky, j'ai pas. 1.40. 35 secondes. 315. Pour l'instant, on remet à plus tard la sortie, on reste sur un 304. On sort tous ensemble les gars. Oh ouais. Okay, bon, toi tu peux sortir toi Nick si tu peux. Parce que t'as un petit bateau, tu seras tranquille. Bah, Nick, ce que tu peux faire si t'arrives à rentrer dans la PV, peut-être me dire ce qui s'y passe. Ok, impeccable. Ok. Allez, pour ma part, c'est. Tagué. Je suis tagué. Qui ne tire pas, hein. Ok, bien pris. Je t'ai gué par le vélo en fait derrière. Il doit avoir un swing bend et les Vikings ou un truc comme ça. Ou il doit être en charge. Attention au tir. Je suis en train de zigzaguer, c'est les perturbants. C'est énorme.
courir comme ça pendant 2 heures, ça va vite me saouler. De toute façon, ça va rien, tant qu'on sorte. On va essayer de voir si on peut pas en isoler un, et le premier qu'on isole, on défonce les deux. Qu'est-ce qu'on peut se faire comme cible tout de suite? Il y a 2 mecs qui me focus là, ils sont un peu isolés du coup, plus de moi. Ok, bien pris, j'attends que le pirate frégate elle passe. Il a un peu le feu aux poudres, tu m'as fait aux poudres. Suivez-moi les gars. À mon top, vous me suivez, j'attends que le pirate frégate elle passe. Vas-y, le focus de la constique arrive avec. Qu'est-ce que tu dis, Nick? Suivez les gars, vous me suivez, on va aller au quartier. On va commencer à se faire des petites merdes à chaque fois. Les gars. Ah, bah, moi je suis à 30 secondes du timer. Hop, vous êtes à combien? Ouais, c'est bon pour le timer. Pareil. Mais j'ai pas la date, j'ai pas Ok. Alors moi si j'ai. Si je peux de fringuer. Moi j'ai une 20. Qui peut sortir? Il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Vous sortez, allez go, et puis vous allez sur le PB, allez go. De fringuer, je suis sorti. Allez go, sortez. De l'équipe, je suis sorti. Réparer pour ceux qui ont besoin de réparer, je mets les voiles plein pot. Et 2 SX sur moi, et puis rester une 3ème frégate, je sais pas ce que c'est. Vas-y, je peux sortir, mais je peux rester avec toi aussi. Vas-y, une minute. Vas-y, sors, file à PB, file à un SX, il y en a des fatigues à l'aise. Allez, go. Le vent est merdique, faut au nord un tic à droite. Et 2 SX sur moi. Vous filez à la PB. On peut pas aller à la PB. Ok. Si on peut aller à la PB les gars, c'est bon, mais tranquille, allez. Non, vous allez à la PB, pourquoi on ira pas là? C'est bon. Là on a le vent, les gars. Pas au top, mais on a le vent, il est passé. On a le temps, hein, la PB elle a même pas commencé il y a 10 minutes, hein, donc on a le temps, moi je suis là dans 25 secondes. Ouais, il y a 12 British pour l'instant dedans. Ok, bien pris. 4700 BR. Vous êtes rentré dans la PB ou pas? Lucky, c'est pas le bon port. Tourne à droite, tourne à droite. Allez, pisse, Lucky. Ah, tu vois, je savais bien que je m'étais planté. J'ai touché avec. Ah, tu cliques sur le clocher du port et puis tu sais tout en haut là. La tour, la maison la plus haute, puis ça dit où c'est. Mais bon, les gars, on a un British qui arrive sur nous. On rampe dès qu'on peut. Vous rejoignez ou pas, du coup? Un Andy ou une connerie, un Victo. Ouais, vas-y, vous savez ce qu'on va faire. On va peut-être pas aller au suicide parce que la 4 contre 13 ça sert pas à grand chose. Attendez-moi, on va aller. Attendez-moi parce qu'il y a un mec qui va me taguer. Puis on va taper le. Direct 2 quoi. Ouais, faut. Border de chaîne hein, direct. La def. Ouais, on a que 2, faut qu'on les coule rapide. De toute façon, je vous dis les gars. Faut les niquer. Attendez-vous à sortir et vous faire retaguer. Ah oui, ça. Bon. C'est pas ça, c'est que si déjà on se suicide pas, enfin ils se sont suicidés, écoutez, si on suicide au moins pour la bonne cause aussi, on prouve qu'on est. Non, bah, ils avaient envie de fighter. Moi c'est ce qu'ils m'ont dit, hein. C'est pour ça qu'ils. Oui. 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 Voilà. On dit, honnêtement la PB on s'en fout, mais la porte à PB. C'est tout. Là on a essayé de jouer le coup de sortir du truc. La PB elle est faute, c'est tout. Bon, je veux dire. Il nous manquait une faute de screen hein, de toute façon. C'est clair, oui c'est clair. C'est trop demandé. On est prévenu sur l'intention des boches. Donc maintenant je sais ce qu'il faut faire. On va taper le plus. Un map pour Crafty. Ça rentre. C'est des petits, des petits. C'est que de la frégate. On se prend la gueule. Il me reste moins d'une minute pour que tout le monde rentre. On va tous se mettre sur Jano. Oh, il y a un armée de l'autre. Ça rentre toujours. Océan, du Centaure. Ça va devenir sympa. Ils sont tous derrière moi. J'ai intérêt à mettre les gaz. Ah, bien maintenant. Enfin, ils sont plus. Je suis plus à leur portée que moi, je suis à leur portée. Sur genoux, on vient tous paquer sur genoux. Là il y a du gros qui rentre. Hein. Hyper loin. Ils ont popé hyper loin. Vous voyez pas grand chose en gros, regardez Océan avec le plus. Moi je mets plein vent. Bah,
Daytona. À 270, je me mets plein vent. Si tu pouvais dépouvoir ou passer, Jack. Ah bah, ouais, y a moi, un je sais pas, on avait argent. Ah, les ouais. Alois, c'est vraiment des fils de... Non. Des sales races, tu peux dire ça. Un clan de traîtres. Moi, j'essaie de me fermer les voiles. Passe, parce que là, je vais pas plus vite. Donc... Mais non, vas-y. Moi, j'ai enlevé, je commence il à tourner les voiles. On peut rentrer normalement dans la bataille, là. Ah si, putain. Oh, il y a un deuxième océan qui a rejoint. Ok, donc on reste bien paqué. J'arrive. On se fait le petit cacette qui est là. So, les mecs, ça se trouve, il attend qu'ils ne nous rattraperont jamais. Hein. Déjà, les Neuchâtel, ils peuvent toujours s'accrocher. On reste bien dans le sens du vent, on freine pas trop. Toi, Jack et la baguette, ce que vous pouvez faire, c'est vous diriger peut-être sur le mec qui est le plus à gauche de nous, là, essayer de voir si vous pouvez pas l'intimider un peu. Donc, je sais pas, on reste avec. La renommée. Restez. 4 mains hein, pour le mec qui est complètement à gauche, isolé. Ça fait 5 ou 6, 6. Court, j'hallucine quoi. Ouais, derrière aussi. What the fuck? 4270 de Fringy. Ouais, y'a rien d'impressionnant en face de nous, hein. Deux océans et deux bubus. Ouais, il suffit qu'il soit comme tout à l'heure avec le Senti qui était super fragile et c'est bon. Il est à 78% de voile. Moi je vais taper si mal, donc si je tape dans les mains, ça peut tomber. Ça peut lui tomber. J'en ai fait 3. Un de plus. Un de plus pour moi aussi. Fringy, il va être pêché. Bah, pour l'instant, ça va, mais. Il y a l'autre petit con là, mais je vais... Je pense que tu vois le Fringy, on dirait qu'il est sur place. Appuie sur F, Fringy. Ah, hein. Oh là là, non, c'est bon, je tourne les voiles parce que il y a une Renault là, juste à côté, là, qui est en train de m'envoyer des chaînes. Donc j'ai tourné les voiles pour pas qu'il me tire tout de suite. Je freine pas trop parce que... Non, mais même si t'envoies des chaînes, continue, c'est pas grave, je gênerai pas voile. T'es trop lent pour pouvoir permettre de faire ça. J'ai pété le rudeur, mec. Ouais. Perte un peu... 5 mains, 5 mains. 4. Ça c'est solide, hein. C'est quoi qu'il a lui? Un A9. Ah ouais, bah c'est normal. Cool. Bon, j'envoie pas voilà, direct. Qu'est-ce que tu fais, Fringy? Pourquoi tu vas pas tout droit? Putain, t'es en train de te tuer tout seul, le Fringy. T'as fait 2 erreurs. Et avant de coûter le tir. Je suis toujours dans le vent.
Ouais, c'est pas ça, c'est que tu prends du coup trop tes voiles, là, t'as perdu d'un seul coup à kilomètre. Moi, c'est rien, essaye de revenir au plus vite. La Renault, même si elle est devant toi, tu t'en fous, t'as des canons, t'as 4 canons à l'avant, des plus gros canons, tu tapes les voiles ou les mâts, c'est bon. Ou tu tapes le cul, alors qu'il va bouger vite fait. J'ai fait 4 mâts. Après, par contre, je tape sur personne. Ce qui est important, c'est de voir le petit groupe qu'on a révolté, c'est-à-dire le petit voyou dur, qui va petit à petit renforcer la couleur. C'est tout, c'est intéressant. Parce qu'on est encore au début, c'est tout. C'est tout. Non, et puis moi, là, je trouve qu'il y a un point positif qu'on peut en tirer, c'est que maintenant, on sait que les Britanniques, ils appellent en renfort les Prussiens, pas les. Voilà. Et que en plus de ça, ils sont prêts à défendre ce port-là. Donc la prochaine fois, on pourra pas la même connerie, on pourra prévenir d'autres alliés potentiels autour pour nous aider. C'est une erreur stratégique ce qu'ils ont fait, parce que quand on va libérer Akalus, il va être off. Ah, Akalus, il va être énervé. Là, tu vois, là, j'ai une petite haine envers les Prussiens. J'ai envie de leur taper un port. Juste leur monter l'hostilité d'un port et leur faire une petite blanche. Non mais, la prochaine fois, ce qu'il faudrait pas en fait, c'est monter l'hostilité d'un port prussien et monter l'hostilité d'un port britannique. Allez, un petit rouleau de choc. Et déjà, ils vont devoir se diviser, forcément. Ils vont devoir faire un choix sur le port à défendre. Eh les gars, vous serez pas, je serais bien chaud de tailler dans le château juste devant notre port. Oh, le défoncer. Lui, bordé chacun, il est cool. En plus, si on fait un bon tag, il est en cercle. Ah non, il se barre. Oh non. Ah non, il tag notre collègue qui tombe là. J'ai pas les petits, j'ai pas encore fini. Non, merci que tu vas réussir. J'ai confiance en toi. Et puis elle est pas à toi. Alors fais gaffe, hein, je te mets pas la pression. Le prince, il est trop chaud, le prince de Châtel, il cherche. Il cherche. Moi j'ai limite envie de m'écarter du groupe et rentrer dans le combat avec lui. Oui. Ils sont montés quand même les Anglais, parce que ça a mis 3 PD. Ouais, on disait qu'ils étaient pas trop heureux dans le sens. Putain, moi j'arrose dans tous les sens. Beaucoup de soutien, s'ils ont les Russes et les Prussiens avec eux, et il suffit que qu'il y ait une autre nation qui soit alliée pour défendre d'autres ports et c'est bon. Hein. Les Prussiens, c'est une nation de pute. En fait, il suffit qu'ils payent l'autre nation. Hein. C'est sûr qu'ils ont fait un pacte pour payer l'autre nation. Hein. Ah, j'ai plus de double. Ouais. Alors, ça se passe comment, toi? Bah, écoute, je suis tout seul et puis ils sont 5 à droite, 4 à gauche, derrière, devant, partout. J'arrose dans tous les sens, je tire de tous les côtés. Moi, ils sont plus en train d'essayer de me couler que de m'aborder. Donc, tant mieux. Ouais, mais faut pas que je ralentisse, faut pas que je tourne, je continue toujours sur le même cap qu'elle est. Je peux pas focusser qui que ce soit. Donc ils ont juste à baisser les voiles et puis ils envoient quoi. Bon là, ils s'énervent, ils me balancent tous les boulets qu'ils ont. Moi j'ai balancé toutes mes charges. Il y a un Bélodin qui essaie de me faire la peau, là ils essaient de me freiner. J'ai fait un arrêt par voile déjà. Allez, Charlinger, ma lampe de chasse, je veux chasser. Tu veux que je sorte les Hercules pour t'aider? On se prend le Neufchâtel là qui traîne. Mais je crois que je pourrais même faire un petit truc du style. Tourner à fond en gauche. Allez, moi j'y vais. Hein. Bientôt. Tu vois. Ah, puis moi aussi je vais y aller, je vais faire du crack. C'est quoi le but? Je fais rien, on voit plus que de la fumée. Jean ? Ouais. Il est tout seul devant. Là. Ouais. On attaque. Allez. Ah, ils veulent me prendre en sang. Ah non, non, c'est. Ouais, non, je croyais que c'était un ennemi. Mais... Il va l'avoir contrat. Ils sont toujours là,
ça vécrait pas dedans. Allez, vas-y, barre-toi. Allez, vas-y. Je crois qu'on va aller partir aussi loin aussi. Ah mais non, c'est même pas un vélo, c'est un bus centaure. Oh, les enculés. On m'a dit, il va taguer. C'est bête. Je sors du gros. Je l'ai tagué, 8 secondes. Je sais combien de vols, 72 de vols. Quand tu m'emmerdes à me bloquer. Ah, il y a un autre anglais qui arrive, les gars. 7 secondes, 10 secondes. Voilà, lancé. 5 secondes, je relance. Voilà. Maintenant, je suis sorti. Ah, il fait tout pour que son pote il rentre avec son autre moteur. Faites attention qu'il n'y a pas d'autre fringue. Ouais, je commence à prendre l'autre fringue. C'est très bien. Lance attaque sur un dénaché. Dommage, j'ai encore 3 minutes à tenir pour refaire les voiles. Ah ouais, moi je fais que ça, je fais que réparer les voiles pour l'instant. Ah, je tag. C'est bon. Juste pour le faire chier. Non, je vous laisserai pas me prendre dans le sandwich, je vais prendre le petit pilé. Je tag l'autre Top Châtel. Hein. Allez, je tag l'autre Châtel, je vais prendre l'autre. J'ai sorti mon Hercule, c'est pour m'échapper. Ah bah il va t'échapper, ça c'est sûr. Oh non. Tu vas voir, je vais vous faire pour le pas. Même si il m'échappe, hein, il peut m'échapper. Alors là, il ne sera pas rentré dans l'eau. Je commence à prendre l'eau. J'ai quoi? T'as 2 minutes pour réparer, on le fait chier, dommage. Putain. Ouais, il a pris son vent. Je le rattraperai pas. Et toi, Jacques? Oh, moi, il est en train de prendre son vent, mais je suis toutes les vitesses, je suis en train d'arriver sur sa gueule. On va voir si j'arrive à le démater dès le début. Ouais, casse le tap. Vas-y, si tu veux rentrer, il cherche le fight. Vas-y, si tu veux rentrer, rentre. Il cherche le fight. Allez, arrivez au choc aussi. Allez, encore une fois. J'ai lui pété les voiles et tout ça, il cherche le fight. Il y en a un, il a essayé de faire un frontal pour me bloquer. Non mais sans sérieux quoi. J'ai entendu feu qui brûle. C'est encore spécial ça, les gaillards. T'as 50 secondes pour réparer mes voiles. Oh putain, je suis rentré dans la mauvaise bataille. C'est pas grave. Je tourne.
Et tourne, 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 bateau. Ouais, j'ai quand même 11,250 avec un vent de merdique comme ça. C'est dommage que j'ai trop là. Mon gars, je suis précis, t'inquiète pas. Je te fais tes mains là. Alors les gars, ne me demandez pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à mettre sur un des rangées de canons des chaînes, sur l'autre rangée des canons et des coulées. Ça y est, je prends l'eau. Ah, c'est fini pour ma gueule. Oui, parce que les potes, tu peux pas mettre de chaînes sur les potes. Et je suis mort. De Fraggy. Mais ils ont eu du mal quand même, hein, les enculés. Hein. Ah bah, tu t'es battu bravement. Moi, je vais leur mettre GG, parce que... Des petites tapettes, mais je mets GG quand même. Voilà, c'est vrai. Et bon, là, chers amis, j'espère que cette bataille vous a bien plu. C'était bien cool, c'était sympa. Mon petit collègue est parti. Il voyait que je n'étais pas en train de jouer, donc il s'est barré, ce qui est logique. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, bah, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter, bien entendu. Et venez faire un petit show. C'est les pirates, si vous êtes sur Naval, c'est cool. On s'amuse vraiment bien, comme vous pouvez le voir. Allez, à la prochaine et faites pas les fous et puis tchou !